Très heureuse de vous retrouver pour ce journal de sport au sommaire. Poursuite du championnat national de boxe amateur sur la place commerciale de l'Imété 7e rue. 50 pugilistes se sont qualifiés pour la finale de leur catégorie respective. 13 combats en version féminine et 12 de la version masculine, qui fait un total de 25 matchs à livrer pour le trophée de champion 2024 de boxe amateur. Play-off de la division 1 de la Ligue nationale de football. Bouclons ce journal de sport avec la boxe amateur dont le championnat national se déroule à la place commerciale Limité. Le public assistera au spectacle de 50 pugilistes qualifiés pour les finales de chaque catégorie. Jean-Louis Lukanda et Daniel Kipiomo pour le reportage. Le 32e championnat national de boxe amateur a qualifié 50 pugilistes, toutes catégories confondues, qui va offrir un spectacle de 25 combats de finale à la grande satisfaction du président du comité exécutif fédéral, Ferdinand Ilunga Luyoyo. Très satisfait, le niveau de la boxe, on a élevé un peu, je vois les boxeurs qui sont venus de l'intérieur par rapport à l'année passée. Et on sent vraiment maintenant qu'il y a un peu de niveau et... Content de voir que la boxe féminine aussi vient de monter, que les amoureux de la boxe aiment voir aussi les dames évoluer. Ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment satisfait. Je ne suis pas contre le léopard, mais je crois que l'année commence ici. Beaucoup de léopards risquent de perdre leur place, hein, parce que je vois qu'il y a les jeunes, il y a les gens qui sont en train de monter, qui sont décidés aussi de représenter notre pays sur le plan international. Vous savez, la boxe c'est quoi? Chaque boxeur rêve aussi de se retrouver un jour sur le plan international. Donc ce n'est pas les statico, hein. C'est la bourse, c'est les dynamiques. Donc aujourd'hui c'est X, le lendemain c'est Z. Donc je vois il y a des jeunes talents aujourd'hui, ça va. Il n'est pas interdit de rêver. La génération montante des boxeurs amateurs de la République démocratique du Congo se veut présente dans les chroniques sportives. Être champion du monde, c'est mon souhait. Je suis de l'intelligence. Le public quinois amoureux de la boxe amateur qui se rendra à la place commerciale 7e rue Limité vivra 13 combats finales de la version féminine et 12 de la version masculine. C'est par ici que cette édition d'information prend fin. Très bonne suite de programmes sur B1.